Alors, comme on vous l'avait annoncé donc la semaine dernière, nous voici donc à Berck. On est devant donc la plage aux phoques. Donc malheureusement, comme c'est mer haute, ben ils sont pas de sortie, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, bon, en tous les cas, on a un grand soleil. On a de la chance puisque tout le mois de mai a été pluvieux ou gris. Et aujourd'hui, on a un super soleil pour notre venue à Berck. Donc cette semaine, donc nous sommes à Berck pourquoi ? Donc pour la journée internationale de la sclérose en plaques, afin de vous présenter votre JT. Donc au programme, donc nous aurons les infos de Nelémine. Les infos régionales. Notre dossier, bien évidemment, sur la sclérose en plaques à la Fondation Opale de Berck. Nous parlerons de la fin de la saison de la Ligue 1. Et nous terminerons donc sous un bain de soleil. Et en terrasse où on ira se prendre un petit verre après. Et donc cette semaine, Joe n'étant pas du voyage avec nous, nous avons fait le tirage au sort avant de filmer le JT, étant donné que nous sommes sur la plage. Et donc c'est Coralie. Coralie Lou qui a remporté le lot cette semaine. Donc place maintenant aux infos de Nelémine avec pour commencer donc la préinscription à Croc École qui a démarré. Donc priorité bien sûr donc aux enfants des personnes qui travaillent. Donc sinon vous pouvez aller donc sur le site de Croc École où vous allez avoir toutes les infos. Concernant le centre de vaccination de Nelémine, il a ouvert donc ses portes depuis le samedi 22 mai. Donc le lieu, c'est le complexe du COSEC. C'est une vraie réussite pour ce premier week-end de vaccination sur Nelémine, où 339 personnes ont reçu leur première injection de Pfizer. Donc pour tout renseignement, contactez le 07 88 27 04 99. Alors ces jours derniers, vous avez pu voir un hélicoptère survoler Nelémine à basse altitude. Donc ce sont des opérations régulières de la part du réseau de transport électrique qui, pour assurer cette mission, sont obligés de voler à très basse altitude, donc entre 30 et 60 mètres de hauteur. Et les associations de Nelémine qui se préparent doucement pour vous reproposer leurs différentes activités, notamment les salles de sport, les sports en salle qui ont pu reprendre, avec bien sûr des mesures sanitaires strictes, mais aussi des activités de plein air. Alors notons que l'association Défi Sept-Pneus a proposé dimanche dernier une randonnée au départ de Nelémine. Une trentaine de marcheurs ont répondu présent pour une rando famille de 12 km, donc un vrai plaisir de pouvoir reproposer ces choses. L'école de musique qui a repris ses cours en présentiel et les élèves de différentes classes de Nelémine ont pu faire leur première descente sur le stade de glisse. On peut noter aussi que le 11 mai dernier, le service Croc École a organisé un spectacle intitulé « Un incroyable talent ». 32 enfants de l'école Marie Curie-Pergaud ont participé à ce concours. Et oui, avec de véritables talents découverts, les lauréats de ce concours que nous tenions à féliciter sont en troisième position Lucie, Manon et Noémie, en deuxième place Alice et pour la première place Louane et Lily. Donc toutes nos félicitations à ces graines de stars. Nous passons maintenant aux infos régionales. Le trafic ferroviaire qui a été interrompu entre Hazebrouck et Calais et également Hazebrouck et Dunkerque suite à la chute d'un caténaire en gare de Hazebrouck ce mardi dernier. À Brouhé-la-Buissière, 150 caravanes des gens du voyage s'installent au site La Volville. Leur expulsion ne pourra pas avoir lieu avant 2 semaines. Et près d'Arras, un enfant de 6 ans a été grièvement blessé avec une tondeuse à gazon ce mercredi-là. Et donc il a été héliporté à Lille. Le club lensois a levé l'option d'achat du gardien Wilker Farinez, un contrat qui lie le joueur jusqu'en 2024. Et celui de Gaël Calcutta, qui lui est lié jusqu'en 2023. On recherche un des rôles principaux pour le tournage de La Guerre des Lulus. Donc le profil, c'est un jeune garçon de 6 ans, blond, aux yeux bleus, qui est donc recherché pour le tournage prévu le 27 août. Pour postuler, il faut s'inscrire sur le site Cast Prod. Et donc... L'ARS. L'ARS demande aux supporters de Lille, présents au sacre des Lillois, de se faire dépister et de réduire leurs contacts dans les prochains jours. On avait parlé de la jeune Phoebe disparue depuis vendredi dernier. Elle a été retrouvée donc sur l'île.
Ce lundi, elle devait être auditionnée et au dernier, on n'en sait pas plus pour l'instant la raison de sa fugue. Un nouveau gynécologue à la clinique Anne d'Artois. Un ancien violeur sort de prison et se masturbe devant une enfant. La mère a réussi à le prendre en photo avant qu'il ne prenne la fuite. Retour en prison pour se détraquer. Il y a un accident ce mardi soir, rue Nationale à Verquigneulles. Une personne était coincée dans son véhicule. On note que l'accident a fait 2 blessés légers. Et toujours dans la perversité, à Arras, une dame de 73 ans se dénude devant les policiers pour découvrir la garde à vue selon elle. Cette dame était alcoolisée au moment des faits et aura insisté pour qu'on lui mette les menottes. La retraitée a bénéficié d'un rappel à la loi. Déjà incarcéré pour des agressions sexuelles sur sa fille, un père de famille a récidivé durant près de 2 ans entre 2019 et 2021. Cette grenaisienne, aujourd'hui âgée de 20 ans, a subi les assauts répétés de la part de son père, âgé de 44 ans. Il avait déjà été condamné pour une vingtaine de faits d'agression sexuelle entre 2016 et 2017. En février 2019, il va plus loin en violant sa propre fille. Il passera donc devant les juges prochainement. Après avoir rejoint Défis et Pneus en tant que parrain de l'association, Johan Lacher rejoint également le club de Vimy en tant qu'entraîneur adjoint. On ne peut que féliciter tous ses engagements. On rappelle qu'il sera présent lors de notre sortie pêche le 26 juin. À ce sujet, il reste encore quelques places. Renseignements au 06 69 27 50 10 ou sur le groupe Nœud Solidarité. Et aux dernières nouvelles, une très belle surprise se profile lors de cette journée. Place maintenant à notre dossier. Cette semaine, nous vous proposons donc, étant donné la journée internationale de la sclérose en plaques, où on va donc visiter la Fondation Opale pour cette journée. D'être venu pour cette journée. Juste une question de point d'organisation, parce qu'aujourd'hui nous allons distribuer à chaque équipe un passeport. Et attention, écoutez bien, voilà, c'est encore la neuropsy qui vous parle. Il faut faire attention à ce que va dire monsieur Lambert, parce qu'il va y avoir une question qui va vous être posée à la fin, qui va vous permettre d'avoir des bonus sur votre passeport. Parce qu'il y a cette petite case où, attention, il y a une question concernant ce que va vous raconter M. Lambert. Et donc, faites bien attention. Moi, je vais laisser le micro à Alice et à M. Lambert. En tous les cas, merci d'être si nombreux. Et j'espère que ce début de matinée s'est bien passé. Et puis, bonne continuation et bonne écoute. Je passe le micro. Alors, moi, je ne suis pas très douée pour les grands discours comme Dominique. Juste comment ça va s'organiser. Il y a M. Lambert qui va présenter tous ses projets et parler du rôle du sport dans la sclérose en plaques. Aussi, si vous avez des questions, donc si vous voulez le micro, il n'y a pas de souci, on vous le prête. Si vous êtes plutôt timide, j'ose pas lever la main, on a mis en place un système de petits billets. Partout, donc vous pouvez écrire votre question et nous la faire ramener ici derrière, et comme ça moi je répondrai la question. Donc voilà au niveau organisation, et puis sinon je laisse la parole à monsieur Lambert, que certains ont déjà rencontré ou entendu parler, et je vous laisse se présenter.
Donc, merci Alice. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette journée internationale de la sclérose en plaques. Je suis très très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je suis Monsieur Lambert, j'ai 55 ans. Je suis atteint de sclérose en plaques depuis juin 2010 et je suis président donc, de l'association Défi 7 Nœuds, donc qui est basée à Nœuds-les-Mines. Donc je vais vous parler aujourd'hui donc, dans le cadre de cette journée donc, des bienfaits du sport dans la sclérose en plaques. Et donc on va démarrer par vous expliquer donc, ma maladie, comment je l'ai acceptée, comment je l'ai vécue et comment j'ai fait le pas pour me lancer dans des défis. Donc pour ma part, donc, la maladie, comme pour beaucoup d'entre vous, a été très compliquée les premières années, hein, puisque quand on remonte pour ma part 11 ans en arrière, quand on allait voir le neurologue, votre médecin traitant vous dit voilà, monsieur Lambert, vous êtes atteint de sclérose en plaques. Ce que vous faites en une journée, il faudra prévoir de le faire en une semaine parce qu'il faut vous reposer. Aujourd'hui, ce discours il est complètement inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a fait un sclérose en plaques, il ne faut pas rester dans le canapé, il ne faut pas regarder la télé, il faut bouger. Donc voilà, donc, il y a eu un inversement total de la prise en charge de la sclérose en plaques et je vais vous démontrer que pour ma part, ça a très bien fonctionné. Donc le canapé, c'est un cercle vicieux, hein, donc ça s'était mis en marche, avec ses conséquences, des séjours passés aux urgences, puisque quand le moral ne va pas, et tout s'enchaîne. Donc un moral en berne, une dépression, j'avais même fait une tentative de suicide, et vous voyez aujourd'hui, je suis toujours en pleine forme. Des années à me lamenter, puis un tournant avec une acceptation de la maladie. Un jour, je me suis levé, j'ai dit, il faut l'accepter. De toute façon, on l'a, il faut vivre avec et essayer de vivre le mieux possible. Donc, une prise de conscience, un déclic, et puis plutôt que de subir cette maladie, j'ai décidé donc de me battre contre elle. Alors, comment se battre aujourd'hui contre cette maladie? Alors, tout simplement, il faut avoir passé l'étape de l'acceptation, puis si on peut bien sûr essayer de vivre comme avant, c'est-à-dire essayer de ne pas se mettre des freins en se disant « Ah ben ça c'était avant, je le faisais, mais je ne pourrais plus aujourd'hui. » On essaye de pas se mettre de barrière et on essaye de faire le maximum comme la vie d'avant. Donc ensuite, selon vos capacités, la meilleure solution c'est de se lancer ses propres défis. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont en canne. Alors le défi pour moi c'est des choses un peu plus importantes, mais pour une personne par exemple qui est en fauteuil roulant, son défi ça peut être faire 3 pas. Chacun son défi, chacun son état de santé. Mais je pense qu'il faut se lancer des défis en se disant voilà, je veux que pour la fin du mois j'ai réussi à faire mes 3 pas, et puis voilà, ça peut être déjà un début de bataille. Donc pour ma part, comment je suis arrivé à ce que je vais vous expliquer, c'est au cours d'un séjour justement à la clinique Sainte-Barbe de Fouquier-les-Lances, hein, qui fait partie de la Fondation PAL, donc c'est le même centre qu'ici à Berck, où au cours d'un stage de rééducation, je me suis aperçu que sur le vélo, le fait d'être porté déjà, c'était beaucoup plus facile pour moi. Donc, et puis devant les progrès aussi que cela m'a apporté, donc j'ai décidé de me lancer déjà un premier défi, c'était de partir de Fouquier-les-Lances en vélo pour rejoindre Cyberc il y a 3 ans maintenant. Donc ça c'était mon premier défi. Ensuite, mon combat contre la sclérose en plaques commençait avec des défis un peu plus fous. Donc le dernier en date, c'était un Tour de France à vélo il y a 2 ans, donc de 3240 km, avec un passage d'ailleurs ici également à Berck. La création d'une association aussi pour lutter contre la maladie. Donc dans cette association, on fait ce qu'on appelle des cafés CEP. Hein. Je pense que les gens qui ont la sclérose en plaques, qui connaissent un peu, c'est... Oui, puis les associations, hein. Donc c'est des endroits conviviaux où autour d'un café on parle de tout, un peu de tout, quoi, pas forcément de la maladie. Alors bien sûr,
Il y a des jours, enfin, il y a des jours où on va faire venir un neurologue, un kiné, un ergothérapeute, un neuropsy pour expliquer un petit peu plus en détail les questions qu'on se pose, quoi, hein. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre une association de justement de gens qui se battent contre la sclérose en plaques. Juste un petit conseil, hein, mais c'est surtout pour les gens qui ont découvert leur maladie il n'y a pas longtemps. N'allez pas sur les réseaux sociaux regarder tous les messages qu'il peut y avoir. Parce que forcément, vous allez avoir que des messages pour la plupart négatifs, puisque les gens qui vont parler sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui vont aller le plus mal. Quand tout va bien, généralement, on ne marque pas, et quand tout va mal, on va le noter. Donc fiez-vous pas aux réseaux sociaux. Prenez que les bonnes choses, il faut voir que le positif. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Donc suite donc à mes passages réguliers donc, dans des centres comme ici, donc à Fouquier-les-Lens, mon approche de cette maladie ne fut plus la même. En effet, la sensation de bien-être grâce au sport, les avantages, on garde un poids de forme, même si aujourd'hui j'ai pris un peu de poids avec le confinement qui l'est pris. Donc ça permet de garder un poids de forme, donc ça permet également de mieux vivre avec son colocataire. On s'aperçoit réellement des progrès au fil du temps. Vous avez un meilleur moral si vous faites du sport, parce que forcément quand vous allez voir les progrès, vous allez aller de mieux en mieux. Vous allez retrouver aussi une qualité de vie que vous avez en partie perdue, en vous disant, voilà, aujourd'hui, grâce aux efforts que j'ai faits, je peux de nouveau refaire ça. Donc, il n'y a que du bonheur à se lancer dans le sport. Donc, j'ai donc lâché le canapé où je passais mes journées. J'ai abandonné mes périodes de dépression. Je me suis repris en main et les résultats ont été spectaculaires. Le début de la reprise d'une activité est une phase importante, car les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. Hein, si vous vous remettez, vous dites voilà, je vais essayer. Il ne faut pas se dire au bout de deux séances, par exemple, ça va pas aller, c'est trop dur, j'ai mal. Il faut essayer de persévérer et vous allez voir que le bénéfice sera là. Donc le plus dur, démarrer une chose qu'on avait zappée par la force des choses. L'investissement que vous allez faire après cette première phase sera plus prolifique. Les progrès apparaissent, les douleurs s'estompent. Pour ma part, quand je dis douleur, j'étais sous la Roxy 50, j'étais sous l'Irica, la plus forte dose, je ne sais plus combien. Et aujourd'hui, je prends quasiment plus d'antidouleur. Alors, est-ce que le sport est pour une partie là-dedans? Moi, personnellement, je pense. Donc, pour arriver à tout ça, il y a le sport, mais aussi l'investissement que vous mettez dans le programme de soins proposé lors de votre venue dans des centres comme celui-ci. En effet, vous êtes dans un centre de rééducation, il y a des kinés, il y a des ergothérapeutes, il y a tout un panel de spécialistes qui sont là pour vous aider. Il faut vraiment adhérer au programme qu'on vous propose, même si parfois c'est dur. Plus vous allez adhérer, c'est pareil, hein, plus votre état s'améliorera. Donc voilà, je pense que dans un centre comme ici, avec tout le personnel qu'il y a, il y a de quoi s'amuser. Hein. Alors oui, vous allez me dire qu'on n'est pas tous atteints, tous pareils, par cette pathologie. Mais chacun verra ses progrès selon sa situation. Et puis selon son état de santé, selon sa volonté aussi, et aussi la motivation. Alors juste pour la petite histoire, hein, j'ai un ami que j'ai rencontré donc au centre de Fouquier-les-Lens, qui était en fauteuil roulant. Il ne marchait plus. Et quand il a vu, quand j'étais dans une salle avec les vélos, avec les tapis de marche, etc., quand il a vu ce que je faisais, il s'est dit, je vais essayer, bon, bien sûr, pas de faire comme moi, mais il a dit, je vais essayer de faire un peu plus. Aujourd'hui, il remarche.
Il fait 1,7 km tous les dimanches, il fait le tour du lac de Neuligny. Et il m'a dit, si tu n'avais pas été là, jamais je l'aurais fait. Voilà, donc ça, il faut vraiment prendre conscience, le travail que tu fais. Donc, il y a les bénéfices de l'activité physique donc, sont bien réels, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai pu aussi le démontrer lors de mon tour de France à vélo, où j'ai tenu des conférences dans les centres similaires à celui-ci. Le résultat est très important pour moi, car beaucoup de patients m'ont dit « je vais essayer », et ces personnes qui ont essayé m'ont envoyé des messages de remerciement, car ils ont trouvé dans le sport une nouvelle vie. Cela m'a conforté dans mon ressenti. J'ai fait pendant le Tour de France, donc je me suis arrêté dans différents centres, j'ai fait un peu comme aujourd'hui expliqué, et il y a des gens qui sont venus me voir après, ils m'ont dit « monsieur Lambert, je vais essayer », et ils m'ont envoyé des messages en disant « oui, bon, effectivement, j'ai progressé dans bien des domaines ». Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour ma part, le sport, je pense, me permet de ne prendre quasiment plus d'antidouleurs. Alors, hasard ou bénéfice de l'activité physique, je pense plutôt pour la deuxième solution. Pour un coup, donc, ouais, ben ça, je vous l'ai dit. Ouais, là, ça, c'est les problèmes de neuropsy. donc, alors, la preuve aussi, c'est est devant vous. Donc, j'ai fait une poussée en juin 2019. J'ai fait une poussée en septembre 2019. J'ai fait le Covid en octobre 2019, où je suis hospitalisé sous oxygène, et une nouvelle poussée en mars 2020. Aujourd'hui, je suis devant vous malgré tout cela. Je précise que je suis vacciné depuis début mai, où j'ai reçu ma deuxième dose de Pfizer. Donc lors de mon hospitalisation, les infirmières m'ont dit que mon rétablissement était spectaculaire et certainement dû encore une fois au sport. Vous voyez que ça peut aller très loin, le fait de faire du sport. Et je pense que vous êtes d'accord, monsieur Rigaud. C'est pas lui qui va dire le contraire. Hein. Donc le sport est non seulement bénéfique dans la sclérose en plaques, mais aussi dans toutes les pathologies, hein, parce que là on parle aujourd'hui de la sclérose en plaques, mais aussi dans toutes les pathologies. Donc bien sûr, le sport doit se faire selon vos possibilités, hein, on n'est pas tous pareils, et après en avoir parlé avec votre neurologue ou un médecin rééducateur spécialisé dans la sclérose en plaques. Il ne faut pas dire ben, demain je me mets au sport, brûler les étapes, et puis se mettre dans le rouge, et puis après ben, vous allez abandonner parce que vous allez dire ben, j'ai mal partout, voilà. Donc il faut vraiment être aidé de ce côté-là. Et une fois que vous aurez pris le rythme, après, ben, vous allez voir que tout va aller pour le mieux. Alors pour ma part, donc suite à toutes mes poussées et le Covid, donc j'ai repris le kiné depuis un mois. Je commence à me remettre au vélo afin de préparer donc, mon nouveau défi que je vais vous expliquer. Alors ce défi, je le fais tout d'abord pour moi, parce que c'est un défi personnel, justement, comme je vous ai expliqué, pour se mettre du défi. Donc je le fais tout d'abord pour moi, pour tous les avantages que je vous ai exposés, mais aussi pour faire connaître cette pathologie qui est encore méconnue de nos jours. Bien sûr aussi collecter des fonds qui seront reversés à la Fondation Opale, afin de les aider pour l'achat de matériel et pour le confort des malades, et apporter de l'espoir aux milliers de personnes confrontées comme nous à la sclérose en plaques. Je reviens donc sur mon prochain défi. Il sera encore plus important que le précédent, car ma philosophie est toujours d'aller plus loin, toujours plus haut. Donc mon défi sera tout d'abord constitué d'une randonnée au départ de la clinique Sainte-Barbe pour rejoindre Neuligny-les-Mines, donc soit 22 km à pied. Donc pour vous situer, Fouquier-les-Lances, ben, c'est tout à côté de Lens, Neuligny-les-Mines, c'est un petit peu plus bas. Trois jours plus tard, donc là je vais apprendre une nouvelle à M. Rigaud, hein, j'en ai pas encore parlé. Donc trois jours plus tard, si la Fondation Opale de Berck m'y autorise, ils ne sont pas encore au courant, donc j'aimerais venir ici passer une journée complète et me lancer un défi dans le défi, c'est-à-dire pédaler du matin au soir sur un vélo, et j'invite les gens qui souhaiteraient se joindre à mon défi, même si c'est pas toute la journée, faire une heure ou une heure et demie, deux heures, voilà, de se lancer un défi comme ça dans le défi.
Donc après cette visite donc, à Berck, je prendrai mon vélo donc de Neulémines, toujours à côté de Lens, et je partirai vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc en passant par les thermes de la Malou, je ne sais pas s'il y en a certains qui doivent connaître, hein, et Lourdes, où je ferai une prière pour tous les malades de la sclérose en plaques. Et on terminera donc à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc avec pareil, donc un beau défi qui m'attend, puisque il y aura la traversée des Pyrénées. Beaucoup de conférences aussi dans des centres comme celui-ci pour prêcher la bonne parole, comme on dit. Donc voilà, donc vous voyez que tout est possible. Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, chacun son défi. Et je peux vous assurer que le sport, il y a que ça prêt dans la sclérose en plaques. Hormis tous les traitements, bien sûr, que vous pouvez avoir. Donc voilà, donc ce défi il va démarrer donc, au mois d'avril prochain. En attendant, je vais m'entraîner, bien sûr, et aussi voir pour être patient expert afin de pouvoir répondre plus précisément à toutes vos questions que vous pourrez poser l'année prochaine, par exemple. Là, je vois que j'ai déjà quelques questions, donc je vais commencer à y répondre. Et oui, bon, là, j'allais venir. Donc, et si dans le public, si quelqu'un a des... Si quelqu'un a des questions, vous levez la main et puis je vais m'efforcer d'y répondre. Quand vous avez commencé le sport, est-ce que vous avez, enfin, quelles difficultés vous avez rencontrées en premier et est-ce que ça aurait pu vous démotiver ou est-ce que ça a été tout de suite très simple? Alors, ça marche. Non, ça n'a pas été très simple parce que déjà quand on est atteint d'une pathologie, c'est un petit peu plus compliqué que quand on est en très bonne forme. Donc il faut retrouver déjà l'endurance. Et donc il y a un travail sur l'endurance. Après, il faut appréhender aussi les douleurs qui peuvent arriver au départ, hein, puisque quand on se remet au sport, forcément, on tape un petit peu plus dans les muscles, on les met plus en action. Donc forcément, il y a des douleurs qui peuvent arriver, des crampes, etc. Après, sur la spasticité, oui, il y a la spasticité aussi qui rentre en ligne de compte. Alors moi, le gros souci que j'ai pu rencontrer aussi, mais c'était plus par rapport au vélo, c'était retrouver l'équilibre. Puisque quand j'ai démarré le sport, je n'avais pas forcément l'équilibre voulu pour faire du vélo. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui. Alors oui, j'ai une famille. En plus, j'ai de la chance d'être avec une infirmière. Donc, tant que faire, j'ai choisi... Non, j'ai pris ce qu'il y avait de mieux pour moi. Non, mais je plaisante. Mais... non, mais disons que c'est plus facile. En plus, alors, je vais vous expliquer, on va rentrer dans la vie intime, c'est que j'ai été séparé de ma première femme. J'ai rencontré... Donc ma deuxième aujourd'hui. Quand elle m'a connu, je n'étais pas malade. Je suis tombé malade 6 mois après. Donc elle était infirmière en hôpital de jour et s'occupait des gens qui ont la sclérose en plaques. Et voilà. Donc quand le diagnostic est tombé, bon moi la sclérose en plaques, je ne savais pas ce que c'était. Moi je pensais que c'était des plaques sur la peau voilà. Et elle savait très bien ce que c'était, donc toutes les conséquences, etc. Bon, aujourd'hui, elle est encore avec moi, donc c'est que tout va bien. Ah si, il n'y a pas de question bête. Ah oui, vous voulez... Oui, non, alors après, il y a le rôle des aidants, peut-être, vous voulez dire. Voilà, il y avait une question, en fait, sur le... Alors, quelle astuce pourrez-vous donner pour faciliter la tâche des aidants? Alors, moi, en fait, j'essaye de voir avec des neurologues, etc.
pour en fait, parce que quand on vous diagnostique la sclérose en plaques, on dit voilà, vous avez une sclérose en plaques. Allez voir votre médecin traitant, il va faire la déclaration des 100% et on vous laisse un petit peu dans le bac. Ce qui serait bien, c'est que on vous annonce la sclérose en plaques et qu'on donne un rendez-vous à la personne qui vous aide, alors pas forcément avec vous, mais vous aide pour expliquer justement la maladie à cette personne qui vous aide et dire un petit peu son rôle, etc. Parce que c'est sûr qu'on n'est pas très bien compris par l'entourage quand on est un sclérose en plaques. Il y a la fatigue qui peut arriver subitement et puis voilà, les gens autour de nous ne comprennent pas toujours. Ou alors tout ce qui est côté cognitif. Ouais, voilà. Ouais, voilà. On a un problème de micro. C'est pas grave, on va parler fort. Oui. Le sport, c'est hyper hyper important dans la prise en charge de l'espérance. Alors nous, on se bat aussi pour que justement le sport aussi soit ordonnance. Alors marcher, j'ai du mal maintenant à marcher, mais je marche avec la déambulateur. D'accord, mais vous remarchez. Voilà. Je marche avec des cannes, mais là j'ai mal à mes bras, je peux faire. Alors je précise que le témoignage de madame, je la connaissais pas, madame. Ah oui, d'accord. Non mais voilà, c'est juste pour vous dire que vous voyez, encore une fois, c'est que le sport, voilà, c'est en fait le cercle vicieux de la sclérose en plaques, c'est que il y a la déprime, il y a après aussi on reste dans le fauteuil, on ne fait plus rien et puis ça va de mal en pire. Ah ben c'est sûr. Alors. Lors du premier défi, donc j'ai été accompagné par le docteur Youssef qui est donc à la clinique Sainte-Barbe et par une équipe de kinés. Il y a eu aussi des kinés de la ville de Berck qui nous ont rejoints sur le parcours pour terminer le parcours. Donc il y a toujours une équipe, on va dire, médicale autour. Sur le Tour de France, on a eu le docteur Leroy qui est spécialisé en rééducation. Pardon ? C'est un spécialiste en rééducation. Voilà, mais spécialisé dans le sport, je crois. Voilà, spécialisé dans le sport. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir l'équipe Cerveau Sport, dont il est le président, justement pour ma préparation physique et aussi pour l'accompagnement sur tout le parcours du Tour de France. Donc il y a toujours eu une équipe. Alors pendant le Tour de France, j'ai eu deux petits soucis. J'ai fait un syndrome de Vertov. Voilà, Utop, donc tout le monde sait ce que c'est. Non. Donc en fait c'est une pseudo-poussée, c'est-à-dire que ça ressemble à une poussée mais qui est transitoire, ce qui ne dure pas. Donc c'est dû à l'élévation de la température corporelle ou dû à un étouffement. Voilà, donc j'ai eu la chambre qui a tombé assez longtemps pendant 2 heures et après tout est rentré dans l'ordre. Et après le deuxième souci que j'ai eu, mais ça c'est pas dû à la sclérose en plaques, c'est que j'ai fait une infection urinaire parce qu'en fait, dû aux efforts sur les montagnes, pas assez d'hydratation. Voilà, j'ai toujours quelqu'un qui m'accompagne. Alors j'ai quelqu'un qui m'accompagne aussi à côté de moi sur notre vélo. Oui.
Parce qu'il y a des endroits où, par exemple, l'équipe accompagnante qui est en véhicule balai, on ne peut pas passer. Donc, et on est toujours géolocalisé, en cas de chute, en cas de... Voilà. Une autre question par rapport au... Enfin, vous avez dit que vous avez fait le Covid, comme j'ai dit, c'était en fait, j'ai fait le Covid aussi. Est-ce que vous avez retrouvé tout au niveau respiratoire ou est-ce que ça a joué sur votre stérosanthrope? Alors le Covid c'est quand même une maladie hein, on cumule en fait deux fatigues parce que vous allez cumuler la fatigue de la sclérose en plaques et la fatigue du Covid. Donc j'ai mis à peu près 3 mois pour récupérer, pour revenir à peu près à l'état avant Covid. Donc c'est, Le vaccin, j'ai fait les 2 doses de Pfizer. J'ai eu aucun symptôme, aucun effet secondaire par rapport à ça. D'ailleurs, il faut faire le vaccin, je ne sais pas si vous en avez ou pas. Des questions ? Donc pour vous, au final, le sport a le meilleur remède et il ne faut pas s'arrêter à nos problèmes pour essayer d'avancer et d'améliorer notre condition. Il faut toujours se donner des objectifs. Même quand vous venez ici, quand vous rentrez dans la stage de rééducation avec un certain état, le but pour vous, c'est de sortir quelques semaines. Sortir quelques semaines après avec un état qui est quand même meilleur. Ah, c'est le but. Donc plus vous allez adhérer au programme et vous aurez meilleurs résultats. Donc voilà, c'est vraiment important hein, la prise en charge ici. Bien sûr, vous avez des spécialistes, mais il y a vous aussi. Hein, vous êtes acteur de votre santé, quoi, en fait. Hein. Une question ? Oui ? Avez-vous envisagé du coup, pourquoi pas en vélo assistance électrique par la suite, ou est-ce que vous y avez pensé, non, vous êtes focalisé sans assistance? Alors on m'a beaucoup dit tu devrais prendre un vélo électrique. Oui, mais là aujourd'hui j'en ai pas besoin. Voilà. Donc pour moi, c'est ma conception moi. Hein. Un défi, ça reste un défi. Donc j'ai dit voilà, je vais avec mon vélo et je le fais à vélo. J'ai même dit au Tour de France, parce que quand j'ai annoncé à mon entourage je vais faire un Tour de France à vélo, ils m'ont dit il est complètement fou. J'ai même dit si je termine pas à vélo, je terminerai en rampant, mais je le ferai. Voilà. Voilà, c'est la volonté, ouais, non mais tout à fait. Après, quand on a un objectif, il faut tout mettre en place pour essayer de le réussir. Hein. Donc, pardon ? Oui, voilà. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. De toute façon, là, on a la sclérose en plaques. Comme je disais, il faut vivre avec. Hein. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement miracle. Il y a seulement des traitements pour ralentir la progression. Pour ralentir la progression, il y a justement le travail en centre de rééducation, il y a le sport, il y a des outils pour essayer de s'en sortir au mieux. Donc il faut les utiliser au maximum. Dans la nature, ça ne change pas trop. Voilà. Parce que moi, je vois depuis l'année dernière, ça a été un peu trop. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, puis le Covid n'a pas été non plus. Hein. Pas forcément. Aujourd'hui, je pense que pendant la période Covid, les centres de rééducation ont travaillé un petit peu au ralenti. Ouais, vous avez fermé même. Donc voilà, aujourd'hui, c'est rouvert. Il faut profiter justement de cette chance qu'on a d'avoir des outils à nos portées. Parce qu'on a quand même tout ce qu'il faut dans les centres. Il y a la balnéo, il y a les vélos, il y a de quoi pour faire des renforcements musculaires, etc. Donc voilà, il faut se servir de tout ça. Surtout écouter les médecins rééducateurs qui sont là justement, qui connaissent la maladie et qui connaissent ce qu'il faut faire quoi, pour s'en sortir. Vous n'aviez pas de questions ? Est-ce que vous travaillez encore ?
Non, j'ai été mis en invalidité. En fait, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait eu des soucis d'équilibre. Et il y a eu une période où je tombais d'un seul coup, je ne chantais plus la route, etc. Donc, il a été décidé de me mettre en invalidité. Je voulais simplement faire quelques petits remerciements à M. Lambert. Merci de votre fidélité, parce que ce n'est pas la première fois que je viens vous voir à Berck. Et je pense qu'on va pouvoir évidemment vous répondre positivement par rapport à votre souhait de devenir une journée complète. Ça devrait pouvoir s'organiser. Donc, merci beaucoup. Je voulais remercier, parce que ça ne se voit pas peut-être, mais il y a eu tout un comité d'organisation qui a travaillé depuis plusieurs mois, et certains dans l'ombre comme Dominique qui se cache. Et voilà, je voulais remercier en particulier Dominique et Alice qui ont été vraiment les deux chevilles ouvrières de cette journée et sans qui vraiment, je pense que ça ne serait pas de manière aussi fluide et huilée que ça apparaît. Et il y a eu pas mal de personnes, hein. Je vais pas citer tout le monde parce qu'on était nombreux. Et je voudrais simplement dire qu'on a démarré à une époque où le Covid faisait rage, il y a plusieurs mois, et qu'on s'est dit on ne va pas s'arrêter, c'est pas le Covid qui va nous arrêter. Hein, c'est un petit peu l'illustration de ce que M. Lambert nous a dit par rapport au sport. On s'est dit voilà, il y a le Covid certes, mais c'est pas une raison pour s'arrêter. Donc on va faire cette journée en respectant les gestes barrières, en limitant bien sûr les personnes de l'extérieur. Voilà, mais je voulais simplement vraiment remercier, et remercier bien sûr l'ensemble des participants. Je voudrais juste dire un petit mot, et je vais être très 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 rapide, par rapport au laboratoire, parce qu'il y a un laboratoire qui nous soutient, alors pas financièrement bien sûr, mais qui nous soutient en nous donnant, en nous prêtant plus exactement une exposition, la jolie exposition Gène Sclérose en Plaques et alors que vous voyez, c'est une exposition temporaire, donc qu'on a pendant quelques jours, quelques semaines éventuellement, et qui va rester après la fin de cette journée, et qui nous a aussi donné des livrets. Donc bien sûr, il n'y a personne du laboratoire aujourd'hui, Covid oblige, mais c'est un laboratoire qui est quand même très, très actif dans la sclérose en plaques, qui nous soutient régulièrement. Voilà, je repasse le micro à Alice. Merci. Est-ce que c'est votre grande question ? Vous avez réussi à gérer certaines douleurs par la pensée et la respiration ? Par l'esprit, en fait, de la respiration. Non, pour être franc avec vous, non. Non, j'ai géré la douleur par le sport. Enfin, je pense que moi, le sport, voilà, a été un médicament, justement, pour la douleur. Alors, il y avait encore deux petites questions. Et il y avait, où trouvez-vous toute cette énergie ? Alors, à votre avis ? Oui, alors ouais, voilà. Alors là, déjà le fait d'être bien accompagné, forcément que ça aide. Après, donc l'énergie, je l'ai dans quoi ? Forcément dans le sport, mais surtout dans les résultats que j'obtiens grâce au sport. Parce qu'en fait, quand vous allez mieux, vous dites, il faut continuer. Voilà. Et, alors, il y avait une autre question que je ne vais pas pouvoir répondre malheureusement parce que je ne suis pas neurologue, pas encore, non mais j'ai pas l'y être. Est-il possible de régénérer la myéline ? Donc ça, aujourd'hui, je ne vais pas répondre à cette question parce que je ne suis pas docteur et je ne sais pas. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on conclue ? Non. Bon, je laisse la parole du coup à Lise pour la conclusion. Merci à tous d'avoir écouté ma conférence voilà. Donc bon sport à tous. Mettez-vous tous, essayez de vous lancer des petits défis. Et puis, voilà. Alors moi j'interviens juste à la fin pour vous donner la suite. Il y a la fameuse petite question qui compte dans le passeport. Et donc la question est, quelle est la destination future du prochain défi de M. Lambert ? J'ai demandé à M. Lambert de ne pas vous donner la réponse. Hein. Donc, destination voilà. Finale. Destination finale. D'aller dans... D'accord ? Au bout de la Manche.
Sinon, après, comment va se passer le reste de la journée? Donc là, il est quasi midi, donc chacun va venir va aller prendre son repas. Et on reprend pour 14h jusqu'à 16h. Donc, on lit toutes les activités qu'il y a ici. Et à 15h, Dominique, 15h, 15h30, et les réponses pour des mots. Et à 14h, reprise avec les appâts au gymnase. À l'extérieur? Et à l'extérieur, il fait beau, donc ceux qui n'avaient pas prévu la laine ce matin, bah, vous pouvez peut-être la reprendre. Et surtout, n'oubliez pas, on a la chance aujourd'hui d'avoir trois personnes des deux associations qui sont ici avec nous. Et c'est vrai que c'est pas facile aussi de faire entrer les associations avec nous ce jour-ci par rapport au Covid et tout ça, et qui sont là assez régulièrement. Présentes une fois par mois dans l'établissement pour rencontrer les patients. Ils vont vous donner des tas d'informations, ils vont pouvoir vous aiguiller, répondre à vos questions. Et donc n'hésitez pas, c'est là-bas à gauche, n'hésitez pas à aller les voir. Ça leur fera plaisir et je pense que vous aussi. Et donc les activités se trouvent principalement ici. Et je voulais rappeler aussi qu'il y a des activités juste derrière, notamment activité peinture avec une belle œuvre d'art à réaliser qui restera dans le service. Donc c'est pas trop visible, donc n'hésitez pas à passer derrière et voir aussi l'atelier photo pour qu'on regarde un bon souvenir de cette journée. Je pense que j'ai tout dit. Eh ben, bon appétit et à tout à l'heure, 14h. Juste avant de conclure, donc j'ai laissé des brochures de mon association qui sont sur le comptoir et il y a des petites cartes aussi. Donc si jamais vous avez besoin de conseils ou si vous voulez nous rejoindre au niveau de l'association, on fait pas mal de choses. On fait des voyages, on fait des KPCF, on fait pas mal d'activités aussi. Donc voilà. Donc ils sont sur le comptoir. Et bon appétit à tous. Donc place maintenant à cette fin de championnat hors normes pour nos représentants régionaux. Alors la fin de saison s'est achevée le week-end dernier avec tout d'abord le Sacre de Lille qui termine donc une saison exceptionnelle. Les Lillois ont dominé Angers sur le score de 2-0. Et en ce qui concerne les Lensois, ils ont tenu tête à Monaco, qui pouvait encore prétendre au titre sur le score, au titre, pardon. Donc ils ont tenu tête à Monaco, donc sur le score de 0-0. Les Lensois terminent donc cette saison 7e aux portes de l'UEF. On retiendra une saison pleine pour nos Lensois qui étaient promus et jouaient le maintien cette saison. Donc chapeau à nos deux clubs fers. Le classement, donc Lille premier, et à la deuxième place le PSG, suivi de Monaco, qui joueront donc la Ligue des Champions. Lyon, Marseille et Rennes, la Coupe UEFA. Après cette sortie en bord de mer, nous passons donc à la météo avec notre ami Flo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme vous avez pu le constater, cette semaine fut une semaine assez maussade au niveau du temps. Effectivement, cette semaine, nous avons pris les mêmes et nous avons recommencé. De la pluie, de timides éclaircies, pas mal de nuages. À ceci, les températures de cette semaine n'ont pas été à la fête. Effectivement, on peut dire que ce mois de mai fut un mois de mai assez pluvieux. Vous avez pu constater ce samedi un changement de temps. Effectivement, ce samedi, vous avez eu une moyenne de 20 degrés avec du plein soleil. Pour ce dimanche, on prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire, vous aurez du soleil et encore du soleil. À ceci, les températures de dimanche pourraient avoisiner les 21 à 22 degrés. Oui, vous ne rêvez pas, 21, 22 degrés. Ça fait bien longtemps que les températures n'ont pas été atteintes. Donc, ce dimanche, vous pourrez peut-être faire un barbecue. Commencez à mettre les piscines. Je vous expliquerai pourquoi vous pourrez commencer à mettre les piscines. Ou tout simplement, profitez du soleil. Pour la semaine prochaine, les premières provisions seront entrées vers l'été. Effectivement, la semaine prochaine, l'été pointera le bout de son nez. Nous aurons du plein soleil. Nous aurons quelques passages nuageux.
et les températures vont remonter fortement. Effectivement, nous attendons une moyenne de 22 à 25 degrés pour la semaine prochaine. Et tenez-vous bien, ces températures pourraient nous accompagner de lundi jusqu'à dimanche prochain. Mais comme vous le savez, c'est une moyenne à 8 jours. Les moyennes à 8 jours ne sont jamais fiables. Mais là, la fiabilité est de 80%. Je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, j'espère que vous allez profiter de ce super week-end ensoleillé. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine avec la météo que je vous ai annoncée. Et quant à ma part, je vous dis à vendredi prochain sur le JT. Et donc merci Flo pour cette météo. Il nous reste donc à vous souhaiter un bon dimanche et à la semaine prochaine. Nous vous emmènerons encore une fois à la découverte de nos régions. On ne vous en dit pas plus. Surprise, bonne semaine, bon dimanche et à samedi prochain.